it out. We can work it out. Nino Ferrer, de son vrai nom Nino Augusto Arturio Maria Ferrari, est né à Gênes en 1934. Il s'est lancé dans des études d'ethnologie et d'archéologie. Il est extrêmement talentueux. Il pratique la peinture, la gravure, la musique, mais il est aussi un être excessif et ultra sensible. Il enregistre son premier disque en 1963 avec une composition qui sera reprise en espagnol dans le film « Talon aiguille » de Pedro Almodovar, mais son disque n'est pas un succès. En 1965, il enregistre « Mirza », dont le succès est alors immédiat. Il continue, parfois à contre-cœur, de produire des succès comme « Oh et un bon », mais ce rôle de chanteur rigolo ne lui plaît pas. Alors il part vivre en Italie, il s'y ressource. Et de retour à Paris, il commence une nouvelle carrière et finit par enregistrer Le Sud, qui sera son plus grand succès. Après avoir tenté, toujours sans succès, le cinéma, Nino est devenu mélancolique, désabusé, et sa vie le minait. En 1998, deux mois après la mort de sa mère, il se tire une balle en plein cœur au milieu d'un champ de blé. Peu de temps auparavant, il avait dit à un ami « Tu te rends compte, j'ai écrit plus de 200 chansons et les gens n'en connaissent que 3. » Le Sud, Nino Ferrer. Un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. La
la la la la la la la la la la. On l'aurait pu vivre plus d'un million d'années. Toujours en été. Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça. Mais on ne sait pas quoi faire. C'est le destin. Tant pis pour le sûr. C'était pourtant bien. On aurait pu vivre d'un million d'années. Et toujours en été. Merci. C'était donc la dernière chanson de cette série d'enregistrements. J'espère que ce voyage musical vous a plu. Et en conclusion, voici un petit message que j'aimerais vous transmettre. On devient vieux quand on n'a plus de projet. Alors, à bientôt.